Eh bien bonjour à tous, c'est Dr. Horse, on se retrouve pour un épisode sur Medieval Engineers, qui est donc une vidéo découverte de ce sandbox survival qui vient de sortir en pre-early access, donc disponible uniquement sur le site de Kin Software House. Il est disponible uniquement dans les 24 heures, donc suite à cette vidéo il restera un petit peu moins de temps forcément. Et il sortira après en Early Access sur Steam dès le 19 février 2015, comme c'est marqué sur l'écran d'ailleurs ici. Pour le moment, il y a donc deux versions disponibles, une vers les 18$ qui est la version de base, et une autre dans les 25$ avec, quelques bonus de soundtrack, etc. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a de disponible dans ce jeu, qui est donc une sandbox. Vous pouvez voir un peu à l'écran d'ailleurs, il montre un petit peu ce à quoi on peut s'attendre au niveau des graphismes et au niveau de l'utilisation du jeu. Donc actuellement, vu que c'est encore une pré-early access, il n'y a pas encore de vrai mode solo. C'est-à-dire qu'il y en aura un où ce sera un mode survie bien sûr, où vous pourrez récolter des ressources, vous pourrez crafter des objets, des bâtiments, vous verrez. Et également prochainement, il y aura aussi un mode multijoueur. Vous voyez là, on a vu le trébucher un peu, on voit un peu les dégâts que ça fait sur les bâtiments. C'est pour ça que je reste volontairement d'ailleurs sur la page d'accueil. Parce qu'on voit un petit peu, c'est le trailer qui nous montre finalement. Ça nous montre un petit peu tout ce qui sera disponible. Et tout ce qui est d'ailleurs disponible aussi. Il y a déjà certaines choses qu'ils sont déjà. Alors, on va voir un peu ce qu'on a déjà. Donc là, ok... On a pas mal d'options déjà à régler, il faut savoir, la plupart des jeux qui sont encore en pré-alpha n'ont pas grand chose niveau options. Bon là, la langue bien sûr, il n'y a que la langue anglaise pour l'instant. Ceci dit, il y aura le français qui arrivera bien sûr. Pour ceux qui ont reconnu d'ailleurs le nom Medieval Engineers, ça ressemble fortement à Space Engineers. C'est normal, ça a été fait par les mêmes développeurs, donc voilà, c'est aussi une source fiable. Donc ici, bon ouais, voilà, niveau options, on peut mettre en plein écran, tout ça, ça c'est normal. Par contre, voilà, au niveau des contrôles, vous allez voir qu'on peut vraiment tout changer, donc ça c'est plutôt cool. Tout ce qui est navigation, tout ce qui est outils et armes, tout ce qui est système, vous voyez, c'est vraiment très complet. Contrairement à certains jeux qui sortent actuellement justement et où on n'a pas, forcément toutes ces options. Alors, au niveau du jeu, pour le moment, il y a juste le mode créative, mais qui est déjà assez complet parce que vous allez voir, on peut faire pas mal de choses. Connaissant les développeurs, de toute manière, il y aura des mises à jour assez régulièrement. À savoir, je pense qu'il y en aura toutes les semaines. Ensuite, donc voilà, je vous dis, le mode survie devrait pas tarder à arriver parce qu'ils ont quand même déjà pas mal bossé dessus. Donc voilà, il leur manque quand même quelques gestions à faire, notamment la gestion de l'inventaire à mieux faire. Enfin, ce genre de choses, mais ils ont déjà commencé à bien y bosser dessus. Et je pense que le mode multijoueur arrivera peu de temps après, de toute manière, comme ça a été le cas pour Space Engineers, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, on a le choix, donc, comme vous voyez, on peut charger un nouveau monde, enfin on peut charger un ancien monde, donc ça veut dire qu'on peut sauvegarder, bien sûr. Dans notre cas, on va en choisir un nouveau, on peut faire un démarrage rapide, ou alors aller customiser un petit peu. Donc voilà les options qu'on a au début, on peut choisir soit des terrains, voilà la taille du terrain, very small, small, normal, large. Ensuite on a bridge, donc ça c'est un pont. On a castle, donc ça bien sûr c'est un château. Une plaine, ensuite on a quelques maisons, et là c'est un quick start apparemment, il y a une maison au milieu. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de charger un petit peu toutes ces parties là pour voir les choix qu'on a à disposition dans ces games là. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là, on va faire une nouvelle game. Description, on s'en fout. Save, non. Structural way. Des mods, il n'y en a pas encore. On va charger ça. Voilà, donc c'était assez rapide. Alors vous voyez, graphiquement, c'est plutôt sympa en tout cas, a priori, à première vue. Même l'ambiance sonore est pas mal hein, d'ailleurs, hein. Là on entend en fond, bon, j'ai pas mal baissé le son pour pas que ça prenne non plus une grosse part de la vidéo, mais c'est pas mal. Donc bien sûr vous avez la vue à la troisième personne ou à la première, vu qu'on est en mode créative, je peux aussi voler. Voilà, les touches sont assez bien expliquées, quand vous lancez une première partie, ça vient au milieu de votre écran et ça vous explique un petit peu quelles touches vous devez utiliser pour faire telle ou telle action. Donc voilà, ça en fait c'est juste un bâtiment de base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les bâtiments qu'on va voir dans le jeu, ce sont des bâtiments qu'on peut crafter.
Donc au début, certes, on est en mode créatif, ça va être surtout de l'entraînement, de savoir un petit peu ce qu'on peut faire, etc. Mais après, une fois que le mode multijoueur sera sorti, ce sera vraiment la construction de châteaux où là, forcément, les ressources, il faudra qu'on aille en chercher, en récupérer, puisqu'on n'en aura pas à l'infini comme en mode créatif. Et bien sûr, on se fera des armes et tout ça, et on devra aller raider les autres châteaux, défendre le nôtre, hein, ou se faire des petits camps comme ça dans les plaines si jamais on n'est peut-être pas assez nombreux ou qu'on trouve pas assez de ressources. Donc oui, c'est un jeu très prometteur. Donc là, voilà, là on a une petite maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut crafter. Alors, déjà on a une barre d'outils. Et ce qui est pas mal déjà, c'est qu'on peut avoir plusieurs barres d'outils. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. On a 4 barres d'outils différentes. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une utilisée. Mais par exemple, si j'appuie sur G et que je change ma barre d'outils. Je pense qu'il faut que je la change avant. Voilà. Voilà, ici je peux rajouter des trucs dans ma barre d'outils. D'ailleurs, je sais pas trop. Ah oui, d'accord, oui, tout ça c'est pour les mécanismes. Bon, on va essayer de faire un truc, de toute façon, ça va être assez complexe au début vu que c'est vraiment de la découverte, mais on va essayer de montrer des choses. Donc ici, Voxel Hand, tout ça c'est... Je vais le montrer de suite. Peu importe lequel je prends, c'est juste... Ça fera la même chose, c'est juste les formes qui diffèrent. Vous voyez ici, ça fera une sphère, ça fera une capsule, ça une rampe. Ça va remettre à niveau le terrain. Et là, c'est en gros une caisse que j'ai. Et c'est du voxel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le sol que je mets. Vous allez voir. Hop. Vous allez pas voir grand-chose. Si, voilà. Vous voyez, je peux rajouter en gros du terrain. Et bien sûr, là, j'ai mis de l'herbe, mais je pourrais rajouter des rochers ou je rajoute un peu ce que je veux. Bon, là, c'est vraiment le mode créatif, bien sûr. Donc ça, c'était pour montrer ça un petit peu. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant de toute manière. Donc là, vous voyez, ça, c'est toutes les options qu'on peut avoir. Je peux rajouter un petit peu... Attendez, si je fais ça... Ouais, je peux rajouter un petit peu d'ampleur à ce que je vais poser. Là, forcément. Bon, je fais des murs d'herbe, c'est pas très logique, mais bon, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ils sont assez bien fichus, je trouve. Enfin, c'est assez joli. Mine de rien. Donc ensuite, au niveau des crafts, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Après, ça va être tout ce qui est blocs pour construire des châteaux. Alors juste d'ailleurs, ici, vous voyez, en 7 et en 8, ce sont des boulets de canon en fait. Regardez, hop. Donc je peux laisser appuyer plus ou moins longtemps pour tirer loin. Et il y a deux tailles différentes. Donc vous allez voir à quoi ça va servir. Ça va être pour tester un petit peu bah, mince. La dura des murs et tout ça, voir ce qui se passe lorsqu'ils prennent des dégâts. Donc avant de faire ça, on va essayer de construire un petit truc. Au niveau construction, donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc là, en fait, tout ça, c'est pour construire un château donc en pierre. On a, donc vous voyez, un petit peu les angles, enfin, des arrondis pour faire vraiment ce qu'on veut, des plateformes. Alors ça va être quoi? On va essayer d'en poser quelques-uns pour tester. Après, vous voyez que là, on peut faire des toits en bois aussi. On peut faire le toit normal. Et après tout ça en dessous. Ça vous voyez c'est des cordes. En fait ça va être pour faire un système de catapulte, je pense. Ça va être un peu plus compliqué à faire. Et pas que. Vous allez voir, il y en a des déjà faits pour tester un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, niveau construction, on va tenter de faire un petit truc. Bien sûr, vous l'avez compris, pour le moment le jeu, ça va être vraiment le mode créatif. Et de toute façon, je trouve que c'est pas plus mal parce que bah, une fois qu'on va arriver en solo finalement, et même en multi après, on se demandera quoi faire, on se dira tiens, est-ce que je peux construire comme ça ou comme ça? Et c'est vrai que le fait d'avoir testé en créative, on saura exactement ce qu'on veut faire, comment et pourquoi. Parce que pareil, il faut savoir que bah, j'avais vu une vidéo des développeurs où par exemple, je vais essayer d'expliquer avec un exemple concret. Par exemple, on fait des piliers comme ça. Voilà. Là, ça va tenir. Ça va tenir comme ça. Et là, on se dit, tiens, bah, par exemple, je veux mettre un toit. Bon, c'est un peu idiot de le mettre de suite, hein, mais c'est vraiment pour l'idée. Alors, comment on monte? C'est comme ça. On se dit, voilà, là, je veux mettre le toit. Hop, tourner, c'est comme ça. Et on se dit, voilà, c'est cool. Le problème, c'est que si les murs sont trop et qu'il n'y a pas assez de murs porteurs ou autres. C'est possible que lorsque vous allez rajouter votre toit, tout va s'effondrer. Donc ça, il faut vraiment faire attention, et c'est pour ça que le mode créatif va pas mal aider, je pense. Donc là, on a quoi comme système de toit, sinon? Hop.
Et vous voyez que les touches au milieu de mon écran sont affichées afin de m'aider un petit peu à construire, à savoir comment faire. Alors, ouais, ça en fait c'est ok, c'est pour faire une tour, il en faudra plusieurs coins. Ok, on peut remove aussi, regardez, hop, clic droit. On a quoi d'autre? Ça doit être un toit en bois. Ah, ça c'est des toits en paille pour faire les petites habitations. Ah ouais, sympa. En bois, ça donne quoi? Ah oui, d'accord, en fait, si j'ai bien compris. Ah mince, j'ai fail. Donc là, a priori, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu parce qu'avant, ça avait tendance à s'effondrer un petit peu trop rapidement. Et du coup, je pense que pour la pré-alpha, ils ont renforcé un petit peu les objets de manière à ce qu'ils tiennent un peu plus. Pour pas qu'il y ait tout qui s'écroule et que, bah, que les joueurs peut-être s'énervent un petit peu trop dessus. Donc là, logiquement. Ah non, il va me falloir. Ouais, en fait, il va me falloir un autre bloc. Genre ici. Ah si, voilà, là ça s'effondre des fois. Ouais, donc à faire gaffe à ça. Il va falloir comprendre le système. Hop. Ah voilà, c'est comme ça en fait. Et donc là, je vais pouvoir mettre. C'est pas celui-là. Ah ouais, mais maintenant que ça s'est effondré, je sais pas comment je fais pour en remettre. Si c'est bon là. Non. Donc en fait, il va falloir que je remove, je pense. Enfin, peu importe. Le test est fait, donc voilà, on voit que les effondrements sont pas mal faits en plus. On voit que ça fait des belles ruines après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tout ça, c'est pour construire bien sûr les châteaux. Donc ça va être tout ce qui est. Ah ouais, on peut vraiment le mettre partout, ok. Hop. Donc ça peut faire une tour, ok. Ensuite. Bon là c'est une porte. Une porte, ça va être des fenêtres. Ça c'est quoi? Ah oui d'accord, en fait ça c'est les portes qu'on met au niveau des tours, ok. Ok, ça, ah oui d'accord, ça c'est pour faire les petites maisons en bois. Bah, comme celle qui est en face d'ailleurs. Ok. Ensuite, alors ça va être des rampes, des escaliers. Ouais, faut faire attention parce qu'en fait ils peuvent se mettre aussi dans le sol comme ça. Ok, hop, si on va l'enlever. Bref. Hop. Ok, ça c'est des rampes. Alors après, ce qui m'intéresse, moi, ça va être de tester. Alors déjà, niveau destruction, vous allez voir, regardez. Je vais mettre la première personne. Alors on va voir parce qu'ils ont renforcé, c'est-à-dire que normalement si je tape sur des murs porteurs, il y a tout qui devrait s'écrouler. Sauf que j'ai vu qu'ils ont renforcé, donc des fois ça a tendance à tenir un peu en l'air. Mais les effets de destruction sont pas mal. Bon par contre il manque un petit peu les sons quand ça explose. Ah ouais si, là il y a tout le pont qui tombe quand même, donc ça va, ça c'est normal. Ça c'est normal. Contre la maison, ouais ça explose bien. Par contre je crois que contre le décor, ouais, au niveau du décor ça fait absolument rien. Ça rebondit pas mal d'ailleurs. Ça c'est n'importe quoi. Oh les rebonds. Ok, donc ça on l'aura vu. Donc on a un petit peu d'espace. Je vais en profiter. Je vais essayer. Non, on va changer de map d'abord. On va changer de map. Exit to main menu. On va pas enregistrer. Alors custom world. On va tous les tester sauf les terrains qui sont juste des cartes vides de toute manière. Donc two house. On va faire OK, on va la lancer comme ça. Two house, en fait, là il y a juste une maison là. Ça c'est quoi? En fait, c'est un genre de. En fait, on a l'impression que là ils ont juste commencé. Ah oui, non, d'accord, ouais. Ok, en fait, il y a plusieurs endroits, ok. En fait, là c'est un genre de muraille, on dirait qu'ils commencent à construire. Donc, qui serait à finir. Est-ce que je peux y monter là? Voilà. Y a pas des fenêtres? Il y en avait une là. Ah ouais, mais y a un escalier. Ah ouais. Ah, ça c'est un peu buggé encore. Hop, il est en fly mode. Bon, en fait, cette muraille n'arrange pas vraiment les habitants à l'intérieur.
C'est eux qui se font avoir. Donc là, en fait, il y a la muraille. Il y a la maison ici à droite. Là, c'est quoi qu'on a? Ok, là, on a le mur. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ils ont fait un genre de pilier, là. Il y a quoi à l'intérieur? Ah bah, il n'y a plus rien. Et après, ouais, c'est pas mal le système de pont, par contre, qu'ils ont fait. C'est ça, en fait, ils font carrément leur petit village ici. Petit pont en bois, pont en pierre. Et là, voilà, ça c'est la deuxième maison qui parlait. Bon, en fait, c'est une maison de base, hein, comme l'autre là-bas, avec du plancher en bois. Ah, est-ce qu'on peut s'arrêter sur les toits? Ouais. Ok. Et là-bas, il y a une petite tour. Je sais pas trop comment on est censé y accéder d'ailleurs. Est-ce qu'on peut y rentrer dedans? Ils ont fait une tour complètement fermée, ok. Ok. Et donc là, pareil, petite ouverture. Ouais, y a pas d'escalier ni rien. Hop. Non, c'est vrai que les effets de destruction sont super bien faits en tout cas pour l'instant. Ouais, là c'est les petits bugs que je parlais. Là, normalement, c'est censé tomber vu qu'il n'y a vraiment plus rien pour le tenir. Un peu à gauche, mais bon. Voilà, il y a des petits trucs qui restent en l'air et qui devraient pas, mais je pense que ça, ils l'ont renforcé vraiment parce que au début, leur principe c'était bien, mais il y avait vraiment trop d'écroulement. Donc, des fois, si on voulait poser juste des petits trucs ou quoi dessus, ça allait s'écrouler directement. Ça allait pas être vraiment jouable. Et là, du coup, bon, il y a des petits bugs, c'est normal, hein. C'est vraiment le moment de la sortie, donc c'est sûr que. Enfin, la sortie, c'est même une pré-early access, donc c'est pour dire. On va tester une autre map rapidement, on va essayer de faire le tour. New World, Custom World. Alors ça c'est une plaine, ok. Donc il nous reste le pont. Je vais passer par le pont avant le château, parce que le château je pense que ça va être la meilleure map à découvrir. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a deux ponts. Il y a deux ponts, alors attendez. Ok, il y a celui-là. Il est sympa, il est sympa. On doit pouvoir. Ouais, voilà, celui-là, on peut se balader à l'intérieur. Ça, c'est bien. Là, il y a le pont. Et après, j'ai vu que. Ah, ça descend encore. Ah, ouais, sympa. Là, il y a deux ouvertures. Et ici, après, sinon, on continue. Ah, c'est un peu buggé là, le passage. Ah, c'est bon. Hop. Ah ouais, et là je peux aller dans la tour. Ils ont fait un truc tout en bas, mais ça sert à rien. Et ensuite, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, si je monte. Donc là c'est pas mal, ils ont fait un principe de fenêtre quand même partout. Et là-bas il y a un truc qui m'intéresse, je vais aller voir ce que c'est. What? Ah oui, d'accord, l'escalier s'arrête en fait, du coup je suis tombé. Petite question, ouais non, par la fenêtre je vais pas pouvoir sortir. Donc on va se faire une sortie. Comme ça, voilà. Ah, mais c'est vrai que là, regardez, imaginez-vous une catapulte ou un trébuchet de loin après qui arrive et les guerres en multijoueur. Entre les mecs qui réparent dedans et qui défendent et les autres qui essaient de faire une brèche dans le château, quoi. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. Donc là-bas, je voulais aller voir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une catapulte, hein. Je sais pas ce que c'est. Donc a priori, ok, il y a des roues, c'est bien. Alors si je touche, vous voyez, ça, je peux le faire rouler, ça roule très bien. Par contre, là-haut, voilà, il y a des cordes. Je sais pas comment je suis censé utiliser ça. Est-ce qu'il y aurait... Oula. Je vais le faire tomber à force. En fait, il y a juste des bobines à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est juste un chariot qu'ils ont fait pour pouvoir faire bouger... des objets qu'on y mettrait à l'intérieur. Voilà, c'est un système de chariot, je pense. Ça, ce sont des cordes, mais on peut rien y faire avec. Mais c'est pas mal fait, ouais, ça roule bien et tout. What? Ça roulait bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, et puis le truc, il continue de s'exploser. Ah bah oui, ça roule bien. Tu veux pas t'arrêter des fois? Oula. Mais où vas-tu?
Cet objet est vivant. En fait, c'est un boss. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est déjà un mode survie et ça, c'était un boss, voilà. Maintenant, je dois l'affronter. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ouais, bon, je peux l'exploser. D'ailleurs, ce pont, logiquement, si je détruis tout le bas, ça devrait tomber après. Hop. Ouais, enfin, logiquement, mais là, c'est un peu buggé, j'ai l'impression. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu le voir tomber dessus. Ouais, celui-là il tient, je sais pas pourquoi. Bon, alors, on va aller visiter le château et je vais essayer de construire un petit quelque chose. Alors, non pour la sauvegarde. Oui pour le nouveau monde. Custom. Castle. Go. Go, go, go. Ah voilà. Alors ça déjà, j'aime bien cette carte parce qu'elle montre bien tout ce qu'on peut arriver à faire à la fin. Là déjà on voit le bon château sur des rochers bien sûr, on voit le moulin qui est sympa d'ailleurs. Ah, c'est vraiment sympa. Donc je vais essayer d'y aller, bah, pas en God Mode justement, je vais y aller sans fly histoire de visiter le château un peu. Donc voilà, là il n'y a rien, ok. Pas un truc au fond là-bas? Non, je crois pas. Alors, la petite entrée doit être par là. Mais déjà, rien que le tour du château, c'est assez stylé. Le pont-levis. Ah, et puis même là, on voit que c'est. Ça fait vraiment les châteaux médiévaux où on monte un petit peu avec les rochers et tout. Là, ils ont fait un genre de storage, j'ai l'impression, là, avec les trucs en bois. Hop. Là aussi, il y en a. C'est-à-dire que je peux faire bouger et qu'après ça deviendrait utile je pense au mode solo tout ça. Parce que bah, par exemple pour construire le trébuchet je sais que dans le trailer ils ont besoin de beaucoup de morceaux de bois comme ça et de les mettre en... Enfin les utiliser ensemble bien sûr pour construire le trébuchet en face du château. Alors, on va visiter par là. Donc là on est sur le rempart. C'est vrai qu'ils ont une bonne vue les gars là, en fait ils se font raid. Hein. On va aller voir vers la tour. Ouais, ils ont laissé un accès. Parce que pareil, je suppose qu'on aura des... Oh! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Va devoir casser. En fait, ils ont fait le sol ici, mais le problème c'est que ça a empêché de passer. Donc là, je peux y aller. Ou pas. Voilà. Hop. Ah ouais, mais d'ici la vue, si on a une arbalète ou un truc du genre. Ou un sniper. Tout simplement. Non, mais d'ici, par contre, c'est vrai que c'est juste abusé. En fait, les mecs, on les voit arriver de super loin. Et eux, pour nous voir là-haut, ils doivent bien galérer à nous avoir. Est-ce que ça donne quoi, vu d'en haut là? Ah, j'ai cru que j'allais être obligé de casser. Ouais, vu d'en bas plutôt. Ah, imaginons que des mecs arrivent d'ici, quoi. Allez viser là-haut, alors que le mec d'en haut il les voit super bien quoi. Alors ensuite, dans notre visite, il y a deux petites baraques. Hop, on va descendre. Pas de dégâts de chute. Hop, donc ça c'est la petite maison. C'est un peu le style des maisons qu'il y avait à l'extérieur déjà. Ensuite, c'est bien parce qu'on a vraiment accès à tout en fait. Il y a plusieurs étages à chaque fois. Il y a plusieurs niveaux. Hop. C'est à s'y perdre alors que le château est pas. Il est pas énorme hein, mine de rien. Il est pas si énorme que ça, mais il y a plein de détails du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'accès quoi. Ah, il faut que je teste un truc. Attendez. Par contre le fly mode, j'ai l'impression que c'est un petit peu à la Space Engineers. C'est vraiment quand tu utilisais le. Je sais plus comment on appelle ça, le réacteur en gros pour voler avec le genre de jetpack dans Space Engineers. C'est pas ça, c'est X. Est-ce que je peux tenir là-dessus? Ouais. Voilà. Mec sur le moulin. Bref. On va finir la petite visite et après j'ai 2-3 trucs à montrer. Dont un truc à tester d'ailleurs. Alors, par là il y a quoi? Hop.
C'est bien joli, mais comment on monte? Ah ouais, là je suppose qu'il va... Ouais, mais ça se voit en plus qu'on va pas pouvoir passer. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hop. Bon, moi je refais, hein, je refaçonne un petit peu. Hop là. Et c'est vrai que même pendant un siège, là par exemple, s'il y a un rocher qui arrive et qui se font exploser ici, ce sera vraiment ça, quoi. Le mec il sera obligé de passer comme ça pour monter pendant la guerre. En mode attention au boulet. Alors là, je vois pas comment on peut aller en face. Si là. En haut, ouais, voilà, comme ça en fait. Ok. Il y a toujours le même souci, bien sûr. Ah, c'est sympa. C'est sympa, donc il y a déjà du potentiel niveau craft, hein, niveau mode créatif, on a déjà de quoi construire des choses assez intéressantes. Vous allez voir qu'il y a un principe aussi sympa qu'ils ont déjà mis en place. C'est au niveau en dessous. Hop. Qui dit pont-levis. Il dit que je suis encore bloqué. Ok. Je sais pas, j'ai l'impression que la première personne ça bug un peu des fois. Donc bien sûr, vu qu'il y a les ponts-levis, on peut les monter. Ce qui est assez stylé. Là dans ce cas là il est juste monté. Je sais qu'il y a d'autres styles de pont-levis qu'on peut accrocher avec des cordes. Enfin d'ailleurs on peut accrocher des outils avec des cordes. Je vous invite à voir les vidéos des développeurs qui le montrent aussi au niveau des outils. C'est à dire que par exemple vous allez avoir un genre de... Bien une genre de grue en fait qu'ils ont fait. De grue bien sûr médiévale. Et bah, pour accrocher les outils ils utilisent un système de cordes. Donc ils mettent une corde accrochée à un truc, l'autre corde accrochée au même objet pour pouvoir le lever. Et après ils peuvent accrocher ou décrocher la corde comme ils veulent. Donc ça a priori c'est déjà opérationnel. Et ici bien sûr on peut lever et descendre la herse. C'est assez stylé. Après moi ce que je voulais tester c'était au niveau des constructions. Ça j'ai pas testé encore. Parce que j'ai vu que j'avais les roues et tout ça. Par contre j'ai jamais testé. Alors je vais essayer de tout me mettre, tout ce qui est en bas, parce que je sais pas trop ce que c'est. Et j'ai envie de tester ça. Ok, il y a une roue, il y a le... Ça je sais pas. Il y a la corde. Rotor. Catch block, lock catch block. Torsion, ok, on va tester un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 1. Le 1, c'est quoi ça? Ah, en fait, ça c'est vraiment pour construire. C'est des petits cubes de bois en fait pour pouvoir construire, j'ai l'impression. Pour construire des outils et tout ça. Ça. Ça va être pareil en fait, ça va aider à construire je pense. C'était le 1 ou le 3 que j'avais parce que... Ah ouais non, le 3, what? Alors ça c'est quoi déjà? Ah ça, ça doit être pour mettre du poids en fait. Ça c'est à la Space Engineers pour bien tenir les trucs plaqués au sol par exemple, ce genre de truc je pense, peut-être. Ça doit être un truc qui pèse lourd, ouais ok. Donc ça bien sûr c'est le système de cordes. Si j'appuie sur 0, voilà c'est le genre de truc que je peux bouger. Et après logiquement avec le 5. Voilà, ça c'est ce qui me permet en fait de le faire tourner. Ok, ça c'est logique. Après au niveau des roues par contre, je sais pas comment on les relie entre elles là-dessus. Pour qu'elles roulent. Si j'en mets une comme ça. Elle roule même pas parce qu'elle est à moitié ancrée dans le sol. Là-dedans aussi. Ok, 7 c'est quoi? En fait, faudrait que je le fasse sur un plan de travail pour mieux voir. Hop. On n'y voit rien là-dessus. Alors on va prendre. C'est pas, on va prendre ça. Ah! Comment j'ai fait ça? Alors je sais pas comment j'ai fait pour que ça devienne des planches aussi longues. Mais ok. Est-ce que du coup, est-ce que par exemple on pourrait les utiliser? Ah non, on peut pas. J'aurais voulu essayer de relier les roues comme ça entre elles. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a le 4, 5, 6, 7... En fait, ça me fait plus penser à des menottes qu'à autre chose. Ah non, ok, ça y est, j'ai compris.
J'ai compris. En fait, c'est ça qui permet d'accrocher, voyez, une corde. En fait, vous avez une corde là. Ah ouais. Alors par contre, voilà. En fait, ça c'est ce qui permet quand on accroche quelque chose à une corde et quand on tourne, en fait, de le ramener ou autre. C'est comme ça que fonctionne d'ailleurs le pont-levis. C'est-à-dire que là, eux, ils ont dû faire, on va vérifier. Là, il y a le pont-levis. Il y a le pont-levis là. Voilà, ici ils ont mis les deux accroches en fait. Et là-bas il y a les deux cordes. Et à côté ils ont mis les deux leviers en fait pour tourner. Au milieu il y a le morceau de bois donc que j'avais en 1 qui relie les deux. Après là il y a un petit cube, pareil c'est ce que j'avais en 1. Ah en fait c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc ouais, le système de pont-levis, je le comprends, et en fait, du coup, le système d'outils peut marcher un petit peu pareil. Donc ça, c'est libre cours à l'imagination après. Ok, ça c'est pas mal en fait. Là, bien sûr, ça ne fait rien parce que je l'ai ancré au sol en fait, le truc. Ok, et du coup, après 8, c'est quoi? Ah, ça ressemble fortement à une catapulte. Donc ça va être pour construire la catapulte, effectivement. 9. Ah, pourquoi ça tombe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah oui! Ah oui, attendez. Alors, hop. Parce que ça, en fait, ça va. Je pense que ça va être. Ah, ça peut servir à plein de choses, en fait. Ça peut servir pour un trébuchet, par exemple, pour le faire pivoter, ça. Ouais, comme ça, enfin, il aura une rotation ici, ce sera cool. Et du coup, il doit falloir mettre un truc au-dessus. On construit au-dessus, en fait, on doit construire le genre de trébuchet ou une catapulte, et en fait, on peut la faire pivoter avec ça. On doit pouvoir faire des... Oh! J'aurais peut-être pas dû essayer de me poser dessus. On doit pouvoir faire justement un système de grue et tout aussi au-dessus. Ok, donc ça, je vois ce que c'est. Ensuite, il nous restait quoi à tester? Le catch block. Ça et retorsion. Ok. Donc là on a ça. À quoi ça ressemble? Hop. On va mettre un autre au-dessus pour mieux voir. Ça je sais pas trop comment on va l'utiliser. Faudra tester. Je pense que c'est plus des trucs de soutien justement où on continue après avec... Comment ça s'appelle? Avec celui-là, là. C'est-à-dire si je mets le 5 après, voilà. Comme ça, je dois pouvoir le mettre. Je dois pouvoir le mettre entre deux, en fait, c'est peut-être ça. Genre si j'en rajoute là. Aligner. Bah peut-être pas. Je sais pas du tout. À voir, alors après il y a quoi d'autre? Le 2. Ah oui, si, je crois que je commence à comprendre. Alors attendez. Le plan de travail, il est où? Fameux plan de travail. Le fameux plan de travail. Vous voyez, ça fait un système, j'ai l'impression de. Un genre de bouton, si vous voulez. Genre, alors attendez, ça je peux l'enlever à la rigueur. 5. Je sais pas trop, mais on voit que. Ah! Ouais, c'est carrément un système de boutons en fait. Alors attendez. Hop. Donc en fait, il faut savoir ce que ça fait si je le switch. Parce que ça change exactement. Ça change un petit bitonio en haut. On doit pouvoir faire des systèmes avec ça en mettant quelque chose au-dessus ou à côté, je sais pas. Il faudrait tester. Bon là on reste dans la découverte donc je vais pas essayer de rentrer en détail dans les choses. Je montre un petit peu ce qu'il est possible de faire actuellement. Après j'entrerai un petit peu plus dans les détails dans une autre vidéo où j'essaierai de crafter des choses intéressantes. Ah. Ça me parle aussi.
Ah ouais, je vois bien le principe ouais, de la torsion justement qu'on doit pouvoir faire avec ça. Par contre, est-ce qu'on peut l'activer nous-mêmes? Ou est-ce que pareil, ça va devoir être avec quelque chose? Donc ça me parle hein, bien sûr, parce que ça va être utile pour les catapultes. Je suppose que vous avez vu à peu près à quoi ça pourrait servir. Alors, est-ce que je peux le montrer genre comme ça? Bon là, c'est mal fichu, c'est pas comme ça que je voulais. Là, est-ce que ça va marcher? Ok, donc là, ah, mais à mon avis. Ah ouais, avec le switch, ça peut le faire là. C'est celui-là. Alors, ça marche pas, mais je pense qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire que je pense qu'avec ce switch, on doit pouvoir activer la torsion qui va nous permettre en fait de faire pivoter ça, si vous voulez, et en gros de mettre en place un système de catapulte. Je pense que ça pourra se faire comme ça. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour la découverte. Puisque je rappelle, c'est une vidéo découverte pour montrer un petit peu le jeu dans son état actuel, qui, je le rappelle, est une pré-early access. Donc voilà, je rappelle aussi que vous pouvez l'avoir directement sur le site officiel du jeu durant 24 heures. Sinon, vous devrez attendre le 19 février pour l'avoir en early access. Et bien entendu, il y aura des mises à jour assez régulièrement par les développeurs, qui rajouteront de nouveaux modes, donc à venir un mode de survie, également un mode multijoueur où comme vous pouvez le voir, on pourra certainement construire pas mal de choses, récolter des ressources, crafter des armes, avoir un mode PVP, crafter des. Voilà, toujours continuer de builder des châteaux, des maisons et tout ça. Et bien sûr faire aussi des engins de siège, de démolition, etc. Donc un jeu à haut potentiel, qui devrait vite vite avoir de nouvelles fonctionnalités de toute manière connaissant les développeurs. En attendant, comme vous avez pu le voir avec tous ces outils niveau cordes et tout, ça laisse pas mal de choses à possibles à créer. Hein. De toute manière, il suffit d'être un petit peu créatif. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter avec le principe des cordes, d'accrocher des choses, des torsions et tout. Il y a toujours la construction de châteaux qui est disponible. Donc voilà, pour le moment il n'y a que le mode créatif certes, mais il y a déjà de quoi faire un petit peu, je pense, jusqu'aux prochaines mises à jour. Donc voilà, un jeu à suivre en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.